President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now in session. L'audience today, est ouverte. The chamber continues to hear testimony la chambre of the expert, Mr. Ysa Osman. La déposition de l'expert, Monsieur Ysa Osman. Ms. Chi-Siu-Huan, please report the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. Des parties et autres personnes à l'audience. Greffier. Mr. President, for today's Monsieur proceedings, all parties to this case les are present. Au procès sont présentes. Except Mr. Kong Sum-on, the National Counsel for Kyo Sum-on, who informs the chamber that he is absent for personal reasons. Absent pour raison personnelle. Mr. Nunji is present Monsieur in the holding cell downstairs. He has waived his right to be present in the courtroom. Il renonce the waiver has been delivered to the greffier. The witness who is to conclude his testimony today, that is Mr. Ysa Osman and Ms. Ysa Osman, Julie Bardesh, the OCIJ legal officer, Julie Bardesh, are present in the courtroom. BCJI, sont dans le prétoire. President, thank you, Ms. Chi-Siu-Huang. Merci. The chamber now decides on the request by La chambre est saisie d'une requête the chamber présentée has received a waiver from Nunjie. Elle est saisie d'un document daté du 24 mars 2016, which states that due to his health, that is headache, back pain, qu'il souffre he cannot sit or concentrate for long, and in order tête, to effectively participate in future hearings, se concentrer he requests to waive his rights to be present at the 24 March 2016 hearing. Il renonce à son droit d'être having seen dans the le medical report of Nunjie by the duty doctor for the accused at ECCC concerning Nunjie. Dated 24 March 2016, which notes that il est indiqué dans ce rapport today Nunjie has back pain when he sits for long and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to 81.5 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nunjie his request to follow today's proceedings remotely from il the holding cell downstairs via and audio visual means. The chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nunjie can follow. That applies for the whole day. Suivre l'audience à distance aujourd'hui. And before I hand the floor over la parole to va the être defense team for Kyo Sum-on to put further questions to the expert, à interroger l'expert. The chamber will issue its oral ruling on co-prosecutor's request to call additional witnesses during the known crowd security center trial segment, de that is E390. The trial chamber is seized of a request by the co-prosecutors to call and hear the testimony from two additional individuals, two TCW-1017 and two TCCP-1016, for the Phnom Krau trial topic du segment in case 002/02 pursuant to Internal Rule 87.4, document E390. The co-prosecutors argue that because three of the six witnesses and civil parties it proposed for this trial topic are now deceased, étant décédés, it is in the interest of justice to hear de la justice them. Commande having heard submissions of the parties on this request la chambre a entendu on les observations Monday, des 21st à ce sujet, March, 2016, and noting the requirements of Internal Rule 87.3 and 4, à la règle 87.3 et 4 the du règlement chamber decides la to hear two TCCP 1016. This civil party will be heard next week for one day after two TCW 1012.
Written reasons Un exposé will écrit des follow motifs in due de la présente course. décision suivra en temps opportun. A decision Une in relation to, concernant to TCW 2017 will be rendered as soon as dès que possible. Possible. And I'd like now to à hand the floor to the International Council for Kyusampan to put further questions de to Kyusampan, the expert, Mr. Ysa Osman. L'expert, Monsieur Ysa Osman. Je vous en prie, maître. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Good morning. Bonjour, Monsieur Good Ysa Osman. Morning, Mr. Ysa Osman. Je voudrais poursuivre like là où nous nous étions arrêtés. Et avec l'autorisation de Monsieur le Président, je voudrais remettre un deuxième like classeur à Monsieur Ysa Osman, to Mr. Ysa Osman pour lui permettre de suivre in order to allow pour éviter him, les problèmes d'hier. Ça ne sera pas sur l'intégralité des documents avoid the que je vais that we citer, faced mais en yesterday. Tout cas, it's not pour all avoir un certain nombre de documents et à l'attention des parties, les documents en question sont E3 bar slash 2653 E3 bar 9523 E3 slash 9500 E3 bar 162 E3 bar 7821 et E3 bar 9307. Je précise à l'attention de la Chambre des parties toujours que les documents E3 9500 et E3 162 ce n'est simplement que la première page des déclarations de ces deux témoins pour m'éviter d'avoir à dire le nom en audience publique et pour course, que Monsieur Osman puisse se référer au pseudonyme que nous avons marqué sur la première page uniquement de ces déclarations. Donc avec l'autorisation, Monsieur le Président, si on peut remettre ce Your leave, Mr. President, may I give this binder to the expert? Yes, you may. Le Président, vous y êtes autorisé. Monsieur Ysa Osman, Mr. Osman, hier nous avons évoqué deux témoins, Amat Sofia et Nosatas, que vous avez interrogés et que vous avez mentionnés d'une part dans Ukuba, in Ukuba, mais dont le récit figure dans The Cham Rebellion. Une question au sujet de Amat Sofia et de Nusatas. Est-ce que vous les avez rencontrés une fois once, ou plusieurs fois dans le cadre de la rédaction de vos ouvrages? You were drafting, your books? But. Réponse. Good morning, Madame Counsel. Bonjour, maître. From my recollection, D'après mes souvenirs, saw them more than je one les ai time. Rencontrés plus d'une fois. However, a detailed Cela étant interview dit, was conducted for one time only. Il n'y a eu qu'un entretien approfondi. And I'd like to clarify the last question Et j'aimerais you put to me yesterday. Apporter une précision sur la dernière After question I que vous m'avez posée went hier. Home, I checked je suis rentré my chez moi. Book. J'ai I consulté mon livre et à présent je peux vous répondre you. Clairement. You asked me, why Nosatas, vous m'avez demandé was with the number 40 rather than 100 and if you like I can't make that a response. Pourquoi Nosatas évoquait President, le chiffre de 40 plutôt yes, que 100? If you have, si vous voulez, je puis vous répondre. A better le Président, reference, then you si may vous êtes to en mesure d'apporter des éléments the plus précis, vous pouvez effectivement répondre dans ce sens. Expert. Thank you, Mr. L'expert, President. Merci, Monsieur le Président. In reference to my first book, That is Ukuba at page 6. À la page 6 de mon premier livre, Ukuba, I wrote that there are six people out of about 100 Cham people. Sur les environ 100 Cham prisonniers, tous sauf 6 ont disparu. Survived
and as for the rest, they disappeared. It means that they were all dead. In reference to Madame Ossatas, as arrested by the Defense Council, that she was one of those about 40 unmarried women. L'intéressé faisait partie de 40 femmes However, non mariées. These 40 women were not the number of those women who were killed Mais in three villages. Mais ces 40 femmes ne correspondent pas au nombre there is before they were arrested, detained, and killed. That was not the figure. The number 40 here en réalité, refers ici, to women who were gathered concerne at les femmes Protest Pagoda qui ont été in rassemblées Krochma à district. La pagode de Psy Krochest dans le district de Krochma. So that group of 40 women Ce groupe were gathered de 40 personnes there. Donc ont été rassemblées As for Ahmad Sophia's, quant à Ahmad Sophia, that I referred to her, that she was one among those 100 who disappeared. S'agissant du fait qu'il s'agissait d'une des 100 personnes ayant disparu, interview again, and she j'ai relu said son that she was among the 35 et elle a dit qu'elle faisait partie des 35 femmes qui ont été pagoda. Envoyées à l'extérieur de la pagode précitée. However, in relation to the 100 or so women who died, des 100 personnes I received that information through various mortes, interviews, cette information namely je l'ai recueillie par Mao différents Mesong, entretiens, y compris avec who Mao told Mesong, me that before the execution, qu'avant l'exécution, there was not before they were sent to Ksat Pro Che, but she was sent to a house located in Elles avaient été envoyées village. Non pas à Ksat Pro Che, mais bien dans une maison actually, village de Tréa. Heads, and there were a total Il y a of eu 240 un on the account calcul, of another a woman on est arrivé that I also à 240 personnes. Reference, J'ai aussi utilisé le récit Sarah. D'une autre femme. Did not record the exact number. Elle ne se souvenait pas du nombre exact. And there is also another Et il y a woman aussi une autre whom femme I refer to à laquelle j'ai fait référence. Saleh Sarah. C'est Saleh Sarah, who said that the number of people among those in the group that she made a journey with was about 200. Qu'il y avait environ so 200 personnes dans ce groupe avec lequel elle a fait ce voyage. Donc vous voyez qu'il y a des discordances dans les chiffres. Tam Chuk actually is en an réalité, alias. Tam Chuk est un surnom woman, and he de cette says femme, that she was among the laquelle 50 dit who was sent avoir out fait from partie des 50 personnes pagoda. Envoyées à l'extérieur de la so pagode we have different de figures of 40, Donc, il y a différents of 30, chiffres. On parle de 40, on parle de 30, on parle de 100 femmes, and they refer to et les personnes the number en question, of women who were sent out of ou plutôt les chiffres en question, portent sur le nombre de femmes As qui ont été envoyées à l'extérieur figures, de la pagode en question. Quant aux autres chiffres, those people who were il sent, s'agit des gens There is a separate group through another qui location, ont été envoyés for example, un groupe distinct, out of the market par exemple, at, qui ont été expulsés du district. Marché du district de Krochma. So the different figures refer to Donc different les différents groups chiffres of women. Portent sur différents groupes de femmes. And I made mention of about 100 figures, which is in between 40 and over 200. Le chiffre de 100, ce qui s'inscrit dans une fourchette d'entre 40 et plus de 200. Le président, And, Mr. Expert, Monsieur l'expert, if you recall the new question that was last put to you, vous you souvenez-vous may de la dernière question qui vous a été posée? Si oui, veuillez y répondre. Answer, thank you,
Merci, Monsieur le Président. I was asked by the Defense Council how many times that La I Défense met Ahmad m'a demandé Sophia. Combien de fois j'avais rencontré Ahmad Sofia. Informally, I met her on Je l'ai rencontré plusieurs fois dans un contexte informel. Je ne me souviens pas du nombre de fois précis. Elle vivait dans un village situé non loin de mon village natal. However, for the purpose of my research Mais for writing the book, dans le cadre de mes recherches pour la rédaction I du livre, made a detailed interview with j'ai effectué avec elle un entretien approfondi et par la suite je l'ai rencontré à nouveau pour vérifier l'exactitude de ce que j'avais consigné au cours de l'entretien. Ultérieurement encore, je suis allé la voir à nouveau car elle vit non loin de mon village natal. Donc, si je comprends bien, so pour well, Nosatas, vous avez eu un entretien approfondi. Pour Ahmed Sofia, vous avez eu un entretien approfondi et un autre pour confirmer ses déclarations. C'est bien ça? Réponse. Yes. And I'd like to add that after I came to work for the Khmer Rouge Tribunal, in Après que je suis venu travailler pour le tribunal Khmer Rouge en tant qu'analyste du BCJI, I went to see her je again. Suis à nouveau allé la rencontrer. And I went with an investigator, en compagnie Mike Dixon, d'un enquêteur, Mike Dixon. And actually, Mike Dixon had an excerpt from my book read out Celui-ci to her a donné lecture and requested her to make d'un any, extrait de mon livre changes. Et il lui a demandé s'il y avait des and, modifications à apporter. Later on, she provided her et par fingerprint la suite, elle a apposé son empreinte digitale. A copy from sur that book, un exemplaire de ce livre that, she confirms that, confirmant was ainsi her statement. Ses propos. Et donc, pour en terminer sur la question des chiffres, tels que vous les avez mentionnés dans Ukuba, ce que vous indiquez donc, c'est que vous avez fait vous-même une moyenne des chiffres qui vous ont été donnés. Mais pour être bien clair, parce que vous m'avez parlé de gens à la pagode, de gens au marché, dans l'extrait que je vous ai lu hier, donc le document E3/18/22, ERN en anglais 00078454. Quand vous parlez de ces 100 personnes, vous dites au début du paragraphe, et je cite en anglais, as one example in late 78, en tant qu'exemple, the Khmer Rouge gathered all those accused of crimes, both Cham and Khmer, into a house dans une maison, in three villages. Au village de Tréa. Donc, dans ce so, in this context, vous ne parlez pas de la pagode, vous ne parlez pas du marché, vous parlez bien de la maison à trois villages. Donc ma question c'est le chiffre approximatif et la moyenne que vous avez faite de 100 chams, c'est vous qui l'avez déterminé, mais est-ce qu'on est bien d'accord que c'est en rapport avec la maison de Trie? In reference to the figure of 100 that is used in my book, dans I actually livre, il est question did not use the personnes. Figure 100 in the bracket. En réalité, for the professional work in the research, je n'ai pas mis ce chiffre entre parenthèses. The words are quand put in bracket, it means that refer to the actual words of a witness without any modification. Je n'ai pas employé de guillemets. By the quand on fait des recherches, quand on emploie des guillemets, however, on cite littéralement les propos de la personne. Mais ici, dans mon livre, le chiffre de 100 n'est pas so entre guillemets. Autrement dit, il ne renvoie pas aux propos précis d'un témoin donné. That is
The figure is based on my research with the five witnesses, including Nosatas, Sophias, and three other women. And that is due to the different figures given to me by various witnesses. Les différents témoins m'avaient donné des chiffres différents. Please forgive me for interrupting, ça, j'ai bien compris, il me semble l'avoir dit dans ma question. Ma question était différente. C'était ce chiffre-là, est-ce qu'on est bien d'accord que vous le citez en rapport avec la maison du village de Tri? C'est ça ma question. Est-ce que c'est en rapport avec la maison de Tri? That figure of 100 is in reference to ce chiffre de 100 personnes an event of unmarried women concerne who were sent, le cas who des were femmes non mariées qui ont été arrêtées puis envoyées au village de Tréhun et qui par la suite ont été victimes d'une purge. Those women were interrogated before they were killed. They were asked whether they were a Cham or Khmer. However, there were other instances of the events that I referred to. Excusez-moi, je vais être obligée à chaque fois. Vraiment, j'essaye de poser des questions les plus précises possibles en fonction du peu de temps qui m'est imparti. Donc, vraiment, si vous pouvez répondre également le plus précisément possible. Donc, vous m'avez confirmé que oui, c'était en rapport avec la maison de Trier où il y avait une femme non mariée. Je vous remercie de cette précision. Dans le cadre de vos entretiens avec Nosatas, nous savons que dans le cadre de son entretien du 10 juin 2000, qui a fait l'objet d'un PV du CDCAM, document E3-9307, nous savons que Nosatas nous a indiqué qu'elle avait assisté personnellement à une exécution et en réalité, devant les couches d'instruction, il me semble que vous étiez présent, elle a reconnu qu'elle n'avait pas été elle-même témoin oculaire de ces faits. Et comme explication pour expliquer pourquoi elle avait menti sur le fait d'avoir été témoin oculaire, elle indique qu'elle avait envie que on lui rende justice. Donc moi, ma question va porter plus généralement sur quand vous interrogez des personnes qui ont vécu des choses qui ont été traumatisantes ou qui estiment qu'elles veulent avoir justice, est-ce que d'un point de vue psychologique, il n'y a pas un risque que parfois les déclarations, les récits que vous prenez, et là je parle spécifiquement dans le cadre des ouvrages Kuba et The Cham Rebellion, est-ce qu'il n'y a pas des risques que parfois les informations ne soient pas exactes et ne correspondent pas à l'intégralité de la réalité des faits ou qu'il n'y ait pas des mélanges avec d'expériences d'autres personnes? Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé lorsque vous avez travaillé sur vos ouvrages? I acknowledge that for some witnesses, when I first interviewed them, they spoke on one account, and later on they spoke rather differently on a separate account. Tandis que par la suite, ils rapportent autre chose. Il ne s'agit pas d'une différence totale, mais il y a des points de divergence dans les différents récits. Et je pense que ça s'explique par le passage du temps. Their recollection of what happened, à savoir que leur souvenir des événements évolue. Comme je l'ai dit hier, if Nosatas is to be interviewed in 10 years time, si on interroge à nouveau Nosatas dans 10 ans, peut-être qu'elle racontera quelque chose de différent de ce qu'elle m'a dit à moi lorsque je l'ai interrogée. And of course, when an investigator from OCHA interviewed her, I was present there. Quand un enquêteur du BCJ l'a interrogée, j'étais sur place. We asked her to verify et nous voulions précisément vérifier ce qu'elle avait dit.
les propos qui étaient utilisés dans mon livre. We preserve the actual, bien entendu, statement, nous avons interview of witnesses, and that we do not make any alteration. Nous n'avons apporté aucune altération au procès-verbal de son audition. Nous l'avons conservé. Ma question était un petit peu différente. Et j'entends bien que, avec le temps qui passe, parfois les déclarations peuvent changer un petit peu. Mais là, en l'occurrence, l'explication que Nosatas a donnée elle-même, et là je renvoie au document qui est sa déclaration devant les juges d'instruction, E3/593, ERN en français 00224113, ERN en anglais 00274704, ERN en khmer 00204445. Et ça se poursuit sur la page suivante. And it continues on the next page. Et voilà ce qu'elle indique. And this is what is stated. J'ai dit à M. Osman que j'avais vu ces exécutions parce que je voudrais faire en sorte que justice me soit rendue contre ces meurtriers. Fin de citation. Donc elle ne dit pas qu'elle vous a donné ces informations et qu'elles étaient erronées à cause du temps qui avait passé. Elle explique qu'elle a délibérément dit une chose qu'elle n'avait pas vue parce qu'elle avait un besoin de justice. Et donc ma question précisément, c'est est-ce que dans le cadre des entretiens que vous avez eus, vous avez conscience que parfois des gens comme Nosatas pouvaient donner des informations dont ils n'étaient pas forcément personnellement témoins oculaires ou des informations qui étaient erronées parce qu'ils avaient besoin de justice? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en considération ou pas dans le cadre de vos recherches? Of your research or not? As a victim, they feel the pain for the loss of their parents or family members. Parfois, la personne interrogée éprouve de la douleur pour la perte d'un membre de leur famille, notamment lorsqu'ils ont vécu l'exécution de leurs parents ou autres membres de leur famille. There might be some extra words used by witnesses, and of course, I preserve the integrity of the statement of the interview. If a witness says that she witnessed an event, that is what I would write in the record. I will not add or remove any part of the interview or the statement. And of course, I had the same feeling as you just put to me. A victim would want to see justice being done. Les personnes ou and les sometimes the words that they use would be a little bit more than what actually happened. Et parfois, ils peuvent donner des récits qui ne sont pas totalement conformes à la vérité. Witnesses refer to the killings, and of course, the killings did take place. That's why they lost their family members and parents, and that's why hundreds of thousands of young people perished during the regime. Famille. Et des centaines de milliers de Cham sont morts pendant le régime. Sur la question du village du Tri, est-ce que vous avez fait des recherches sur qui étaient les responsables locaux à l'époque et notamment qui était le chef de district? Nous avons entendu devant cette chambre un certain nombre de témoins et je dois dire qu'il y a subsiste un mystère au sujet du chef de district à Krochmar. Est-ce que vous avez fait des recherches sur ce point? Did you carry out any research on that subject? No. Answer. Réponse. Trier village was under the control le of Krochmar district. The first district de Krochmar. Committee of that district le from 1975 was Tapa. Était Tapa. Tapa came from Dambai district
He was reassigned to be in charge of Krochma district. However, later on, he was killed, perhaps in early 1977, when the purge started to happen in the east zone. Tapa and other cadres were purged in Krochma district. And after Tapa, there was another individual, the close associate of Kai Po, and that person was also related to Kai Po. That individual was transferred from Chamkale, the central zone, to be in charge of Krochma district. That individual's name was Taho. In the interviews that I got in relation to the killings of Cham people in 1977 and 78, interviewee knew well Taho. Now Taho changes his name. He was trying to conceal his background, his actual activities in relation to the killings, and also he wanted to conceal his responsibility. I am working in the OCIJ. I had chance to see him, and I could say that he lies 100% of what he knew. Que tout ce qu'il a dit était à 100% des mensonges. Je vous pose cette question aussi parce qu'à un moment, vous évoquez dans votre ouvrage le récit de Salès Amat et vous évoquez à un moment son voyage à moto avec le chef du district pour assister à une réunion. Et lui, lorsqu'on l'interroge sur le chef de, ce chef de district, il indique que ce chef de district est aujourd'hui décédé. Donc, ma question est de savoir, est-ce que on parle du même chef de district que ce fameux haut? Est-ce que c'est bien ce haut en question? Ou est-ce que le moment où vous évoquez le récit de Salès Amat, il s'agit d'un notre chef de district. There was another district head in office. Answer. Réponse. Those who could recollect what happened during the time, particularly in relation to the committees of the district. The district committee consisted of three people. The first one was the secretary, and the second one was the deputy secretary, and the last one was a member. Some people may have confused by saying that the deputy secretary was the district chief. And this also happens to the third individual in that committee. The member might have been confused that he or she was the chief of the district. En disant que le membre Tapa, avait perhaps, le chef de district. Tapa, as I said, deceased. Tapa, comme je l'ai dit, est décédé. Tapa was killed. Il a été tué. After the south, the central zone and the southwest zone entered that place. Après l'arrivée des cadres de la zone centrale et de la zone sud-ouest. Je reviendrai éventuellement sur ce point plus tard. Je voudrais avancer sur votre travail. Et vous avez indiqué hier, me semble que vous avez eu à plusieurs reprises, vous avez pu constater que des choses avaient pu vous être dites par des personnes que vous avez entendues et que par la suite, ces changements pouvaient varier, que c'était de leur responsabilité. Est-ce que
de façon générale dans le cadre de vos ouvrages et de votre travail, vous avez systématiquement rencontré les gens plusieurs fois, ou est-ce que c'est globalement, compte tenu du temps que vous aviez, un seul entretien approfondi que vous avez mené avec ces différentes personnes? Was it only when you had in-depth interviews that you met with persons? Answer. For those who did not live far away from my birth village, most of the time, frequently I passed those people, villages, and I went to interview some of them on a few occasions, and that the interviews that I conducted happened in 2006, so it almost 10 years ago, for interviewees who were living in far places, I met them only on one occasion, and I cannot tell you whom I met on several occasions and whom I met only on one occasion. Que j'ai rencontré plusieurs fois et celle que j'ai rencontré une seule fois. Je voudrais maintenant m'intéresser à aux recherches documentaires que vous avez menées sur les documents d'époque et les documents antérieurs Cambodia démocratique. Et lors de votre interrogatoire par monsieur le co-procureur, vous aviez indiqué que sur la question du nombre de CHAM en 1974 au Cambodge, vous aviez choisi de ne pas effectuer de recherche sur le recensement qui avait été effectué par les Français dans une période antérieure. Et si j'ai bien compris votre déposition, et vous allez m'expliquer si je me trompe, vous aviez indiqué que vous aviez considéré que, de façon générale, ce recensement n'était pas fiable parce que vous aviez rencontré un témoin qui travaillait dans une plantation gérée par des Français et qu'un jour, des personnes étaient venues interroger les gens sur cette plantation et qu'ils n'avaient pas fait de distinction dans les travailleurs entre Khmer et Cham. Est-ce que j'ai bien compris que c'est la raison pour laquelle vous avez considéré que le recensement effectué par les Français n'était pas fiable? Et pour être complète à l'attention de la Chambre et des partis, je fais référence à l'article du Phnom Penh Post, document E3-96880, qui n'existe qu'en anglais, à l'ERN 011-99557. But looks right, answer. Madam Counsel, I believe in what Cham people I interviewed told me. Je ne fais que redire they ce said que les personnes Cham que j'ai interviewées m'ont rapporté. They have never seen consensus, actual consensus was conducted. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais I do not need to go back into the past. Effectué. After I was born, and after 1979, the government did not conduct any census in relation to Cham people. To know how many people living in a village, they need the government needs to conduct a survey. Le gouvernement doit faire un sondage in that entire village without discriminating Khmer people tout le village sans faire de from other ethnicities entre les Khmer and et in les the ID card that I
hold, it says only Cambodian nationality. It does not state Cham Muslim in that ID card. Il n'y a pas de précision sur l'ethnie, à savoir musulman Cham. So this is what happening in this period, and voilà ce qui that is true also in the past regime. If you want to make sure whether I am saying it's true or not, you can go to ask the government officials about that. Auprès des responsables du gouvernement pour attester de la véracité de mon propos. Vous avez indiqué que vous n'avez pas fait de recherche sur le recensement. Ma question, c'est est-ce que, sans avoir fait des recherches sur le recensement français, est-ce que vous pouvez savoir quelles ont été les méthodes utilisées à ce moment-là pour effectuer ces recherches? Est-ce que, par exemple, vous êtes allé dans les bibliothèques ou dans les archives pour consulter les documents relatifs à ce recensement, comme, par exemple, Ben Kiernan a pu le faire? Est-ce que vous-même, vous avez effectué ces recherches? J'ai compris que vous avez considéré que ce recensement n'était pas fiable, mais est-ce que vous avez vous-même fait les démarches pour savoir comment ce recensement avait été fait, où il avait été fait, dans quelles conditions, etc. Under what circumstances, and so on and so forth. Answer. I stand by the what I said. Je maintiens ce que j'ai dit tantôt. The interviews that I got from the interviewees did not make mention about the consensus conducted or carried it out in the past regimes. For this reason, I did not focus on carrying the research on whether consensus was conducted. The figure that I had, was quoted from one individual I trust, that individual worked with those who were in charge of managing the entire Cham people in Song Kong Binium and in later regime. His name was Les Lock. The top leader of a Cham community was known as Chang Wang, or chief. And they had hakims, as I testified before this chamber, about the roles and functions of hakim. Hakim was in charge of Cham people in villages. In one village, there is a hakim, and hakim makes the reports to the superior of how many Cham people is living in particular village. So the reports from those hakims in respective villages, after the addition of that statistic, we got the number. Après avoir Les Lars, I have met him, nous avons obtenu un nombre and total. He said, par la suite, j'ai rencontré I met Saddam, that Adam worked closely with Les Lars, and then he the one who gave me the statistic of Cham people living in the past regime. C'est lui qui m'a donné les statistiques des Cham qui vivaient sous l'ancien régime. Vous évoquez des statistiques qui auraient été dressées sous l'ancien régime et des rapports qui auraient été dressés sous l'ancien régime. Est-ce que ce sont des documents que vous avez pu consulter ou c'est simplement des choses que les personnes avec qui vous êtes entretenues et en qui vous avez confiance vous ont dites? Est-ce que vous avez consulté des documents à ce sujet ou c'est simplement des témoignages oraux que vous avez récupérés? Interviews you conducted. Answer. Réponse. The figure that you mentioned came from the assertion of interviewees I met. Whether that figure was within the documents from the past, I believe that figure was from those documents, ces documents ont été tirés based on documents qui existaient scientific research.
those documents may have destroyed and burned by the Khmer Rouge. And when the question is put to me, where I got the figure from and those documents were destroyed by the Khmer Rouge, I cannot find those documents and I can put this question back. Why Khmer Rouge destroyed those documents and then put this question to me? Ces documents, je vous retourne dans la question. Si ces documents étaient détruits par les Khmer Rouges, alors pourquoi me poser cette question? Moi, je ne suis pas là pour répondre aux questions, je suis là pour vous en poser. Simplement, quand vous, parce que vous avez parlé de statistiques et de rapports, je voulais être sûr qu'on était bien clair que c'était ce qu'on vous en a dit oralement. Vous venez de confirmer ce point, c'est clair pour moi. Ma question est donc la suivante. J'ai bien compris que vous êtes rapproché de gens en qui vous aviez confiance, mais là, je voudrais savoir au niveau d'une approche scientifique de chercheur, est-ce que même s'il y a des documents que vous pouvez éventuellement contester ou recouper avec d'autres points, est-ce que ce n'est pas logique dans le cadre d'une recherche scientifique qui se veut rigoureuse d'aller consulter tous les documents qui existent sur une question ? Et notamment les recensements français utilisés à l'époque, ne serait-ce que pour pouvoir dire, vous-même, après les avoir consultés, pourquoi vous estimez qu'ils ne sont pas fiables ou qu'est-ce qui manque dans ces recherches. Est-ce que le fait de s'en tenir aux simples déclarations de témoins que vous avez entendues n'est pas un raccourci un peu trop rapide dans le cadre d'une recherche scientifique? On empirical in terms of the scientific research methodologies used. If you do not believe in what my witnesses or interviewees told and relied on French census, I want you to show me the specific figure, particularly the population of Cham people in that time, President. La population, you are an expert witness. You are obliged to respond to the question put to you based on your realm of knowledge and expertise. Et qui relève de votre champ d'expertise et de vos connaissances spécifiques. And by answering the questions, it can reflect how the in-depth analysis you have done in your research and then published in your book. If you do not know the answer, you can say so. Qui ont conduit à la publication de votre livre? Secondly, si vous ignorez la réponse, vous pouvez également le dire. You cannot. Provide any information based on the activities that you have done while working in the OCIJ. You are here to testify as an expert witness. You cannot direct the chamber or any judicial officers to find other evidence. So you are here to testify your research and field of expertise. And questions are now put by the defense team for the accused. They have different styles of questioning methods. Bien sûr, leur méthodologie d'interrogatoire, leur stratégie d'interrogatoire peut être différente. Cross-exam you so that the information you testify is reliable. Pour attester de la fiabilité des informations. So you will have two answers about your expertise and your knowledge. So please do not go beyond what it is not within your expertise. Et ne sortez if pas, you s'il vous plaît, expand beyond champ, out of your expertise, so it's not useful for the chamber. Si vous sortez de and ce champ, I can say that some of your answers may, in turn, incriminate
put weights on you or put pressure on you, and then may lead to extensive time of questioning. Exercer une pression supplémentaire sur vous et rallonger le temps d'interrogatoire. Est-ce que vous le comprenez, Monsieur le témoin, Monsieur le Président? Witness, thank you, Mr. President. I understand Merci, Monsieur le Président. Je l'ai bien compris. Apologize when I expand beyond my expertise. Aussi, je suis sortie de mon champ d'expertise. I am repeatedly testifying before this chamber, and counsel may not have believed what I said. That is why de la défense n'a peut-être pas cru I am forced to expand further beyond that, beyond my expertise. De développer in, for instance, about the French censors, and I do not, I cannot find any other answers to respond to the question put by counsel. Un autre moyen President, de répondre whether à la parties par believe it or not, it's not the le matter. Président, but you are here to tell non, the chamber, and later on the chamber will assess, will analyze the value of your testimony, la valeur probante de votre déposition. And you have to tell the chamber about what you have known and about your expertise, and after that, the chamber will analyze that value of your testimony. You are now telling the chamber, not the party. You are answering questions of the party, but you are here to tell the chamber. En répondant aux questions des parties. So the people who come to testify before the chamber has to have to answer to les personnes the chamber, qui not to parties. Devant la chambre s'adressent à la chambre et non pas aux parties. Je vais peut-être du coup répéter ma question pour que vous compreniez bien. Là je suis, nous avons au dossier différents écrits de différents experts, we différents auteurs, et je m'attends, ce qui m'intéresse, c'est votre démarche scientifique dans le cadre de la rédaction de votre ouvrage. Ma question par rapport à votre démarche scientifique, c'était de savoir si vous ne trouvez pas que c'est un raccourci, que c'est quelque chose qui ampute votre réflexion de ne pas vous référer à toutes les toute la documentation qui existait au sujet des recensements qui ont pu être menés, ne serait-ce que pour avoir, vous, une critique objective de ces éléments. J'ai bien compris que vous vous êtes référé à ce qu'on vous a dit, à ce que des témoins vous ont dit, mais vous-même, vous avez choisi de ne pas faire de recherche sur ce point. Et ma question, encore une fois, c'est est-ce que ce n'est pas quelque chose qui ampute votre réflexion? Is it not something that impedes your reflections, that obstructs your reflections? Answer. Réponse. My research was done based on my capacity and my ability. D'après mes compétences. I have met et au mieux de mes capacités, survivors, witnesses, and j'ai I did not meet the deceased témoins, witnesses. Mais je n'ai pas pu rencontrer ceux I qui étaient décédés. I do not have the ability to spend to fly abroad to France to ask about je the statistics or census in France. En France pour demander les statistiques ou les données de recensement. Est-ce que dans le cadre de votre travail de recherche au CDCAM, il vous arrive d'adresser des courriers à des personnes de ressources qui ne sont pas forcément au Cambodge pour avoir des informations sur des éléments que ces gens pourraient détenir? Vous avez indiqué que vous allez vous entretenir avec certains auteurs qui, eux, ont travaillé sur d'autres documents. Est-ce que dans le cadre d'un travail de recherche, ces échanges de documentation ne sont pas des choses qui sont courantes? Je comprends bien que vous ne pouviez pas aller en France pour avoir ces documents, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens dans le cadre des recherches au CDCAM d'obtenir
des informations ou des documents par d'autres personnes qui ont travaillé dessus, par exemple. Documents from other persons who worked on those subjects, for instance. Answer. Réponse. I have known authors of books in relation to Khmer Rouge, and I have communicated with them via emails. J'ai communiqué avec eux par courriel. And I do not completely refer or based on the information from those authors' books. Je ne me suis pas totalement fondé sur les informations tirées des ouvrages de ces auteurs. I mean the author of those books from America, from other countries. J'ai rencontré certains de ces auteurs d'autres pays, des États-Unis, d'Amérique. Witnesses, but they cannot speak J'ai rencontré Cham également language. Les témoins, For me, mais ils ne parlent pas I la langue Cham. I can speak a Cham language, so I can meet them and Moi, je peux parler conduct la the interviews Cham. In detail them down. Et je peux donc les rencontrer et mener des interviews plus approfondies. Je vais du coup passer à un autre point, point. Au sujet de cette discussion sur le recensement et le nombre de Cham qui étaient présents au Cambodge, Cambodia, au moins en 1974, in 1974 at et least, sur les différents travaux sur cette question qui ont lieu et qui ont fait l'objet de différents issue, rapports ou articles devant cette chambre. Est-ce que vous avez pris connaissance du rapport d'expertise démographique de Mme Eva Thabo, Eva Thabo's demographic expert report, document E3/2413, c'est à l'attention de la Chambre des Parties. Est-ce que vous en avez pris connaissance et surtout, est-ce que vous avez les compétences techniques pour comprendre les formules démographiques qui sont détaillées dans le cadre de ce rapport démographique? La réponse n'a pas besoin d'être longue, c'est est-ce que vous en avez connaissance, est-ce que vous avez les compétences pour l'analyser, oui ou non, and are you able to analyze this document? If not, well then we will just proceed. Answer. I have never read that document. Je n'ai jamais lu ce document. Vous avez travaillé spécifiquement sur les Cham dans le cadre du Kampuchea démocratique. Ma question était de savoir, au moment où vous abordez votre travail, est-ce que vous avez commencé par faire un travail de recherche général sur les politiques en général du Kampuchea démocratique, sur les documents d'époque. Est-ce que ce travail s'est fait avant votre travail de recherche sur le terrain avec les entretiens que vous avez menés avec les témoins que vous avez entendus? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait avant ces entretiens ou c'est quelque chose qui est intervenu plus tard dans le cadre de la rédaction de votre ouvrage? In reference to my first book, I read documents Pour écrire mon premier livre, from, j'ai lu des documents de Tuol Sleng, confessions, en particulier records, les aveux and telegrams. Et les télégrammes. These documents were maintained at the DCCAM Ces documents office. Était gardé au bureau du DCCAM. J'ai lu ces documents concernant les Cham arrêtés et envoyés à S21. J'ai aussi rencontré les survivants des familles de gens exécutés à S21 et ces survivants ont confirmé la perte de leurs proches. Ça, c'était pour le premier livre. Et pour le second livre, I did Pour not le deuxième livre, have many written resources to je n'avais pas upon. Beaucoup de ressources écrites However, sur lesquelles m'appuyer. I relied on the je me suis toutefois appuyé sur des télégrammes.
about the evacuation of Cham people from the East zone in late 1975, as it is related to the evacuation of the Cham people after the suppression of the rebellion. Suite à la répression de la rébellion. Je me suis beaucoup appuyé sur mes entretiens avec des victimes pour écrire mon deuxième livre. Certaines personnes avaient participé à la rébellion et avaient survécu. J'ai aussi interrogé quelques-uns des auteurs de crimes ayant travaillé au centre de sécurité du district de Krochma. Vous avez notamment évoqué les déplacements de Cham à certains endroits. Ma question, c'est est-ce que dans le cadre de ce travail-là, vous vous êtes intéressé aux déplacements de population en général ? Parce que, en tout cas, c'est ce que nous avons vu dans le cadre et du procès 02-1 et un petit peu dans le cadre de ce procès, il y a eu différents mouvements de population qui concernaient l'ensemble de la population au sein du Cambodge démocratique et pas population les Cham. Ma question est de savoir est-ce que vous avez pu faire des recherches sur ces mouvements généraux pour voir si ces déplacements de Cham s'inscrivaient dans ces mouvements généraux de population ou pas. Were involved in this general process or not. I interviewed people who were evacuated. J'ai interrogé des gens qui avaient été déplacés. And that evacuation did not take place in 1975. Ce transfert de population based on the accounts of those n'a people. Pas eu lieu en 75 d'après les récits de ces gens. Certaines personnes ont été déplacées en 73 lors des affrontements entre troupes Khmer Rouge et soldats de l'ONOL. Actually relocated them les from the Khmer Rouge area to another location. Les ont envoyés ailleurs. And the second evacuation happened after the fall et of Phnom Penh as well as the fall of other des cities. Ensuite, il y a eu ces déplacements après la chute de Phnom Penh et d'autres villes, après le 17 avril 1975. Là, les gens ont été évacués des villes. Ils étaient considérés comme appartenant au peuple nouveau, qui ne soutenaient pas la politique du régime depuis le début. Il y a eu donc des gens évacués de Phnom Penh vers la province, y compris des Cham. And another evacuation took place in un autre transfert de population vers le mois de novembre ou décembre 1975. And that was particularly for the Cham people in Krochma district. Cela concernait les Cham au district de Krochma. Bong Khmum. And that happened in the East zone, dans la as zone well as est the old north et également zone. Dans l'ancienne zone nord. And through my research, only the Cham people were evacuated at that stage. Mes recherches ont montré qu'à ce moment-là, seuls des Cham avaient été déplacés, car ils avaient participé à une rébellion. So the Khmer Rouge would not allow the Cham people to live as a community in order to avoid any further rebellion. Car ils auraient pu à nouveau se soulever. They were evacuated. C'est pour cela qu'ils ont été déplacés. And this does not mean that they were evacuated to an area where the Cham people were living. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été envoyés dans une région in où vivaient des Cham. They were evacuated and dispersed through various villages. Ils ont été éparpillés dans différents villages où ils étaient censés se mêler aux Khmer. Il y a par exemple deux ou trois familles de Cham qui ont été envoyées vivre dans un village auprès de Khmer. The plan was to disperse them and not to allow them to live in a community so that they would be the subject of monitors. Ainsi, on pouvait plus facilement les surveiller. President, thank you, and Mr. Expert, you are reminded to respond rather precisely to the question.
aux questions in qui particular vous sont posées. The last question that is in terms of your research, whether your research la dernière question portait sur l'objet de vos recherches, people, à savoir est-ce que celle-ci portait uniquement sur l'évacuation de Cham ou bien sur l'évacuation d'autres personnes également. Cham, that is Khmer, the Chinois. Of that question. C'était ça l'objet de la dernière question. So you should actually limit your response bornez-vous to that. À répondre à la question and posée. If you expand your response, it may si overlap with the écartez, subsequent questions that the council may put cela to you. Pourrait déjà and, répondre council, à l'éventuelle question suivante. Maître, je vous en prie, allez-y. Je vous remercie pour thank rebondir you. Sur votre now, dernière longue réponse. In response to vous dites your que last vous avez response, constaté dans le cadre de vos entretiens you que les déplacements de population ne concernaient que les Cham pour la troisième vague de déplacements que vous évoquez. Est-ce que dans le cadre de vos entretiens, vous avez mené but in des entretiens avec d'autres personnes que des Cham, à savoir des Khmer de la même localité pour savoir quels ont été leurs éventuels déplacements pendant cette même période. Est-ce que vous avez eu des entretiens avec d'autres personnes que des Cham? Yes, I did. Réponse. And oui. They confirmed that the Cham people ils ont confirmé who were living in the next village que les Cham being evacuated. Du village voisin avaient été évacués. Est-ce que vous pouvez indiquer à une fourchette de can you give us, personnes idea, avec lesquelles vous êtes entretenu et vous me parlez de Cham du village voisin, donc yeah, dans so quel village avez-vous interrogé ces personnes? So in which village did you interview these people? Réponse. Cannot provide you the figure je ne peux based pas on vous my donner de chiffres. Happened, several years ago. Cela and remonte à quelques années. Were je ne m'en souviens pas. The same les gens interrogés vivaient dans la même commune that, à côté du village en question. And I recall one name, je me souviens Chum Kier, d'un nom, Chum Kier. Une personne que j'ai interrogée. I also recall another name, Adin Pait. Il y a eu aussi and there were also other Adin Pait people whom I interviewed. Et d'autres personnes que j'ai interrogées. Monsieur le Président, je vois l'heure. Est-ce que Mr. vous voulez President, marquer la pause maintenant? Maybe it's a good time to have the break. Thank you, Council. Le Président, merci, Maître. Convenient for le moment est venu d'observer we'll une courte pause. And at 10:30. Les débats reprendront à 10h30. Officer, please assist the expert veuillez vous the break occuper time du témoin expert pendant la pause and invite him, as well et as le ramener the dans le prétoire à la reprise des débats, officer, ainsi que la juriste du BCJ, et ce, à 10h30, is now in recess. Suspension de l'audience.